Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène Fla, et j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je pète le feu. Et aujourd'hui les amis, en plus de ça, devinez quoi, c'est le jour J où nous allons peut-être savoir si nous serons champions en fin de saison pour cette avant-dernière fois sur FIFA 20. Parce que oui, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Zéro en Héros, oh yeah. Aujourd'hui les amis, nous affrontons le Bayern de Munich. Alors, juste avant que je ne lance le match, petit point sur le classement. Comme vous le voyez actuellement, nous sommes premiers avec 58 points, suivi du Bayern Munich qui est à 52 points, talonné de très près par le RB Leipzig. Alors déjà, on va regarder au niveau des matchs. Donc, il reste aujourd'hui. Ensuite, nous avons encore, je regarde. En fait, je regarde le nombre de matchs qui restent, voir si c'est possible. Donc, il reste 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, il reste 11 matchs, c'est-à-dire qu'il y a encore 33 points à prendre, je vais y arriver. Ce qui veut dire que, normalement, bon, au vu de notre calendrier pour la suite, à part le Borussia Dortmund qui pourrait nous poser des problèmes, peut-être le Bayer Leverkusen s'ils ont un sursaut d'orgueil, même si au match aller on les a défoncés, logiquement, si on gagne ici, le titre, ça sera tout fait. Le titre, il sera pour nous. Donc du coup, ce que je vous propose, les amis, pour ne pas louper la célébration de ce titre, on va déjà regarder au niveau du calendrier, quand se passe notre dernier match de championnat. Tiens, il y a des amis clous d'ailleurs. Je regarde notre dernier match de championnat. C'est face à Schalke 04. Eh ben, je vais regarder. Est-ce que c'est à domicile déjà? Voir la rencontre. Donc, Schalke 04, c'est à l'extérieur. Donc, il faut que je regarde quelle est la dernière rencontre que l'on a à domicile. Pour valider notre ticket. À domicile, c'est le Werder de Brême. Ok. Donc, les amis, pour le prochain épisode, du coup, ce qui va se passer, c'est que après Bayern de Munich, nous irons jouer directement contre le RB Leipzig, qui est quand même troisième. Et ensuite, on enchaînera directement avec les matchs aller-retour de Valence, tout simplement. Et puis, par après, nous terminerons avec Borussia Dortmund et le Werder de Brême. Donc il devrait avoir encore 4 bons épisodes à tout casser, sans compter, attention, parce qu'il faut aussi ne pas oublier qu'il y a également les phases éliminatoires de l'Europa League. Mais ça, on ne saurait pas encore le prédire puisqu'on ne sait pas encore jusqu'où on va aller. Bref les amis, je fais la petite coupure maintenant et je vous retrouve directement en direct de notre Volkswagen Arena de Wolfsburg pour ce match au sommet. A tout de suite. On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui, incontestablement. On est ici à Wolfsburg, dans la Volkswagen Arena. C'est bientôt le coup d'envoi. C'est Hervé Matou avec bien sûr l'immense Pierre Ménès à mes côtés. Le match que l'on va suivre ensemble aujourd'hui est une rencontre de Bundesliga. Wolfsburg face au Bayern Munich. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Wolfsburg qui aborde cette rencontre en s'appuyant sur tout simplement la meilleure défense de Bundesliga. L'entraîneur s'appuie sur une défense solide, ce qui permet à cette équipe de jouer plus libérée en attaque. Ah,
Alors les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de remettre les commentaires allemands. Bon, c'est pas grave, ça nous permettra de encore mieux suivre cette rencontre et d'avoir plus de détails, parce qu'en plus de ça, on va en avoir besoin, je pense, finalement, parce que il y a certains joueurs dont je n'avais pas connaissance qu'ils étaient au Bayern de Munich. En tout cas, je le rappelle, c'est dans cette carrière, parce que c'est une carrière fictive. Et on peut voir qu'il y a du beau monde. Déjà, on peut voir qu'il y a mon ancien coéquipier, Allez, Paul le retour Pogba, qui est là, entraîneur de dans le Wolfsburg côté de Bayern pour Munich. cette Mais bref, on va d'abord regarder la composition Allez, de le notre équipe. dispositif Alors pour le moment, tactique choisi à par voir comment ça se l'entraîneur, compose, c'est choisi un pour les points système en 4-3 classique. visiblement, À les part deux que équipes Mariano vont essayer Diaz de a prendre été le préféré à maximum de points vers Seferovic, l'avant. mais aussi à Moussa Dembélé, qui est d'ailleurs sur le banc avec Seferovic, mais sinon c'est le système basique. Côté Bayern Munich, là il va falloir bien regarder. Nous avons Neuer au but. Gomez, Grimaldo, Pavard, La Isage, composition du Bayern Ndidi, Munich aujourd'hui, Keita, Fraser, schéma tactique Pogba, retenu par Davis l'entraîneur aujourd'hui, et un Gabriel 4-5-1 Jesus semble-t-il. en attaque. Donc c'est une très très grosse L'idée équipe. sur Et nous avons en empêcher plus sur le l'adversaire de banc passer le milieu de terrain. Azpilicueta, Bernard, Lewandowski, Semedo, Gnabry. Enfin bref, c'est une très très grosse équipe du Bayern Munich que nous avons en face. Donc ça promet d'être un match très très serré. Bon, et bien sur ce, les amis, on se souhaite bonne merde. C'est Donc parti coup d'envoi, pour le ce match départ au des hommes de sommet où le titre va Wolfsburg. peut-être déjà se décider. Allez, on y va à fond. Et surtout, on reste bien concentré. En tout cas, il va y avoir de l'offensive. Hein. Ça, je vous le dis déjà. Pogba, Au vu de l'équipe qu'il y Mariano. a en face, parce que Pogba, pour jouer avec lui au Real, Victor je peux vous Traoré. dire qu'il va très vite. C'est Romelu un truc de Lukaku. fou. Chercher le joueur tir, bien sûr. Mais le Alors, drapeau qui s'est levé est dommage. rouge, je suis pas sûr. On va voir Sur ça. Ça le ne va pas fait, jouer à Mignon relance cette grand-chose. situation. Attention maintenant. Ah, si. Ouais, il est parti un peu trop tôt. Ok. Bon, c'est une première bonne incursion offensive, c'était pas si mal que ça. Mais on a intérêt à surveiller nos arrières parce que ça a l'air de Et jouer très l'entraîneur de très vite en l'équipe face qui côté du compte Bayern sur Munich. ses joueurs pour Parce vraiment qu'en aller plus, bon, chercher Gabriel un Jesus, ballon, c'est un si finisseur, mais possible, d'or éclipser faire. l'adversaire. Ça implique bien Et sûr un Pogba vient de gros mettre dans travail le de vent d'ailleurs en parlant de pénétration. ça. Ouais, c'est sûr qu'il suffit pas de dire OK les gars, Bon, je 90 vais minutes rester de sur Pogba. pressing. Ou Faut avoir attention, la caisse attention pour à le Ndidi. oui, Attention. Ndidi. Oh, le Ouh. bel arrêt. Ouais, Eh bien, magnifique. ça Bien joué le commence fort. gardien. Grosse occasion, mais heureusement, notre gardien Chavez est bien intervenu. Corner pour le Bayern Munich. Oh, ça commence fort. Ça commence très 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 fort. On a intérêt à faire gaffe à nos arrières. Hein. En contre-attaque, à mon avis, ça doit aller encore plus vite. Ok, bien rester là. Attention, moi je n'ai pas Tenterons envie de laisser peut-être Davis. le Moi je vais me corner. mettre là. Plutôt, je ne vais pas laisser Davis tout seul. Hein. Ça c'est Niet. Ok, Oh, ça recorner, passe non? largement hors du cadre, cette Non, il l'a frappe. complètement raté sa frappe. Ok, Oh, forcément, Fraser ces a conditions loupé pour sa l'attaquant, chance. forcément. Allez, 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 on y va, on y va, on y va. Ah là, il va falloir être vraiment bien concentré jusqu'au bout parce que je pense qu'une seule erreur et ça peut être fatal. Même si on a pour le moment 6 points Toujours le d'avance, ballon. ce serait bien de creuser encore l'écart. Parfait, boum, Saint-Maximin. Ah, Ouverture, c'est pas passé. ballon C'est qui est pas grave, ça perdu sera pour la au camp prochaine. adverse. En tout Allez, cas, bien tacler, le il y a des ballon failles quand retenu même par côté du personne. Bayern. Ça devrait peut-être le faire. Très bien. Qui cherche Bam. une solution là? Bam le Ballon centre, coupé. Saint-Maximin. Oh, magnifique! Oh, mais magnifique! Saint-Maximin! Qu'est-ce qu'il nous a fait? Un ciseau de tête sur mon un assist de ma part. La Eh ben, on ouvre tension le score, mais de se quelle continue manière? sur ce geste Oh splendide. là là! Un Gardez-moi superbe ça! retourné, mais le Mais buteur qu'est-ce qui que. fait sortir ses lèvres de la Waouh! solution. Un ciseau carrément! Oh là là, Tornadou a bien Saint-Maximin! revenu pour Oh apprécier ce là là coup. là 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 là! Sous la tronche de Benjamin Pavard! Oh là 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 là! Quel beau but! Eh ben dis donc, on commence fort! Ah ben L'entraîneur, ça quel c'est de bon sourire et augure! cette Let's confiance, mon go! équipe est dans une bonne Let's go dynamique maintenant Wolfsburg! dans ce match. Oh c'est bon ça! 13 buts pour Alan Saint-Maximin dans ce championnat. Magnifique, bravo! Bravo monsieur! Et Wolfsburg a donc pris Allez, 1-0 l'avantage. pour Wolfsburg! On commence bien cette rencontre. Et là j'intercepte tout de suite. Est-ce qu'on peut déjà en planter un deuxième? Ça peut aller très très vite. On a Avec déjà fait Saint-Maximin, des scénarios comme ça, on l'action a qui déjà se fait. poursuit. Attention. Je te vois. On cherche une solution. Et il va y aller. Oh, j'ai trop Énorme croisé. manque de précision sur cette Oh, j'ai frappe. trop croisé. Oh, j'aurais peut-être dû faire la passe. Sinon, Neuer était battu. Oh, j'ai trop croisé. Eh ben, le Bayern commence déjà à avoir chaud. Hein. Ok, bon, je te laisse y aller, Mariano Diaz. Alors, moi, je vais aller sur Pavard. Là, c'est plutôt soin Ndidi. S'intéresser bien sûr de près à Nicolas Otamendi aujourd'hui. Ah, il y a On a pu Otamendi signer aussi. dernier match ce Eh soir, ben, non, deux joueurs de puisqu'on Manchester City hein, qui confirmé sont quand même partis. des rumeurs insistantes qu'il a Otamendi. bien l'intention de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. On le verra bientôt Eh ben, défouler oh, les attention, terrains attention à de Gabriel Jesus. tir.
Mais dans le tir qui contrait, je suis devant. Accélération, accélération. Non, c'est un accélérateur hors jeu, ça sert à rien. On s'accroche et ça passe. Là, tu ne l'es plus. Ça passe avec ma vitesse. Le centre pour Mauro Diaz. On est en train de prendre le dessus psychologique par rapport au Bayern. Mais attention, nous devons rester vigilants. Là, je ne l'ai pas été, donc j'ai pas pu avoir la passe de Bettencourt. Attention à Fraser quand même. Ouh, attention. Oh oui. Ah, j'ai fait faute. J'aurais dû laisser ma type s'en charger. Attention, coup franc, et c'est Pogba qui va le tirer. Bon, déjà, ça, c'est inquiétant. Pogba, je pense qu'il a moyen même de la mettre bien placée comme il faut. Donc, on a intérêt à vraiment faire très, très attention. En cas là, je suis en défense sûr, il me semble, Benjamin Pavard. Je n'en suis pas sûr et certain. Non, même pas, je suis dans le mur. Pourtant, on m'avait vu... Ah non, c'était sur Fraser que j'ai été à la base. Attention! Ouh, c'était Gabriel Jesus là qui se présentait encore. Encore une grosse occasion. Corner, attention. Là, il faut que j'aille sur Davis là. Je veux pas le lâcher. Hein. Parce que c'est une machine de guerre le Canadien. C'est un gros gros joueur. Attention, un Pogba. Pour le moment, on tient bon bout. Ok, mets là en dessous, mets là en bas. Ok, d'accord. Moi, j'aurais mis en bas. Là, pam, pam. Ah, mais fallait pas la remettre à Béton. Ah, c'est pas Béton en cours, c'est qui là? Je sais plus c'est qui là qui joue en dessous. Oula, trou de mémoire, le 17, c'est qui? Ah ouais, Barrella, voilà. Ça y est, je suis revenu. Quand même. Allez, accélération. Ouh, on a plus fait faute, mais je passe avec la vitesse, accélération, attention. On rentre, on rentre, on rentre, attention. Mariano Diaz, le tir. Oh, la grosse occasion, j'avais fait le travail, mais Mariano Diaz n'a pas pu conclure. Dommage pour moi et pour lui. Attention, Pogba. Je vais rester un petit peu sur lui. Je vais rester bien, voilà. Mais. Traoré, il m'a fait peur. Bon, c'est vrai que j'appelle la balle, mais bon, je l'appelais pas comme ça. Voilà. Court. Ok, attendez. Attendez. Parce que là, je suis un peu, c'est un peu compliqué là. Voilà. Ah non, il fallait me la refaire en retrait pour centrer beaucoup mieux. Bon, c'est pas grave, je peux pas en vouloir, ça, Maximin. Là. Oh là là, Traoré, qu'il y a des mauvaises passes. Ah franchement là il est pas rentré dans son match hein, Bertrand Traoré. Je vais laisser sur Pogba. Attention, bien Bettencourt, voilà on était à 2 pour cadenasser Pogba. Oh là il y a quelque chose. Allez, vas-y, vas-y Roussillon. Vas-y Roussillon. Ah pas assez fort pour aller jusque moi. Hein. Pas assez fort. Bon, faut que je récupère un peu d'endurance, sinon je vais être claqué et on sera même pas à la mi-temps. Okay. Je reste sur Pogba. Ne bouge pas. Ah, il y a encore bien Bertrand Traoré. Bon effort. Je reste sur Pogba. Je vais pas le lâcher. Bam. Là-haut. Trop tard. Là-haut. Voilà. Ah, dommage. On arrive bientôt à la mi-temps. Match très serré pour le moment. Ah, c'est compliqué. Ok, allez. Ça avance. Je suis là. Ouais, c'est ma faute ça. Attention à la contre-attaque hein, de Ndidi. Fraser. Attention. On va jouer 3 minutes de plus. Accélération. Ça peut passer. Non, ça passe pas devant Grimaldo, ça passe pas. J'ai cru pourtant que j'allais savoir passer avec ma vitesse, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Attention à Fraser. Attention. Ok, 3 minutes, ça va siffler. Allez, siffle. Voilà. Bon, et ben fin de première mi-temps, que dire de plus? C'était un match très serré. Ça, c'est un vrai match au sommet en tout cas.
Le Bayern se montre dangereux, mais pour le moment, on a plus l'ascendant psychologique puisque nous avons ouvert le score en premier. Mais on arrive à se montrer aussi très dangereux, ce qui fait que pour le moment, je dirais que nous sommes très bien placés pour remporter ce match. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers, on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. Bon, et ben let's go tout de suite pour la seconde période, let's go. Là, on passe, on va aller jusque là. D'ailleurs, j'ai regardé les stats. Bon, ça, on s'en fout les commentaires. On verra même pas les stats. Bon, et let's go deuxième période. Je voulais voir les stats, mais bon, on les verra pas. Oh, Mariano Diaz, il s'est pris un de ces trucs. Ok, ça, c'est. On garde, voilà, on calme, ça sert à rien de se précipiter. Bien barré là. Allez, on tient. Quitte à même gagner 1-0, moi, je suis pour. Tant que c'est une victoire, c'est super important ce match-là. Faut pas le négliger. Ah! Tout compris là, le défenseur, bien vu. Ouh, j'avais fait une petite pression pas voir moi. Oh, ok, rien. Pas. Fraser. Attention, je suis au Pogba. Et voilà, je le sentais. Oh là, je te vois. Il s'avance vers la surface. On centre. Ah, ça n'a pas pu aller jusque barré là. C'est ce que je voulais faire. Dommage. Attention à la défense. Zach. Boum. Allez. On y va. Accélération. Vas-y, boum. Allez, la 6 de ma part. 2-0. Bon, allez. C'est barré là qui marque. Et ben voilà. 2-0. Oh là là, qu'est-ce que je fais mal à cette défense. Je passe. Mais franchement, tranquille, bébé. Regardez-moi ça. Bam, je creuse. Viens pas sur moi. Boum, je la lâche. Le tir, parfait. Yes, 2-0. Et voilà. Barella. Oh là là, ça fait plaisir. Let's go. C'est ton 4e de but. 13e but aussi pour Nicolò Barella. C'est le buteur. Je pense qu'après cet épisode, je vais aller me pencher un petit peu sur le classement des buteurs d'ailleurs. Ça m'intéresserait d'aller voir ce qui se passe. Parce que je crois qu'on n'a pas un, mais on a même 3 joueurs, voire 4 dans le top à mon avis. Allez. Ok, je vais sur Pogba. Ouh, il a réussi à lâcher ça. Gabriel Jesus. Ah, il faut aller dessus. Orban, faut aller dessus. Faut pas laisser Gabriel Jesus y aller. Hein. Il a la vista pour pouvoir aller jusqu'au bout. Hein. Et il a la technique. Hein. Il a une bonne technique, mais intérêt à faire gaffe. Allez, pour le moment, on tient le bon bout. 2-0, c'est exactement ce qu'on voulait. Prendre un ascendant psychologique. Et si on continue comme ça, on peut même mettre un troisième, je pense. Le tout, c'est de pas craquer en défense, pas faire de bêtises. Parce qu'il y a quand même un bon press hein, de la part de Gabriel Jesus et Pogba. Donc méfiance. Voilà, lâche la main par là, comme ça on donne de l'air. Voilà, au-dessus. Ah, c'est pas passé. J'aurais peut-être pas dû la refaire. Et en plus, après, il rencontre le Bayer Leverkusen. Donc, c'est effectivement le match à gagner. Alors, Moussa Dembélé qui rentre pour Alan Saint-Maximin. Ok. Il a bien raison, il a fait le boulot. Maintenant, il doit se reposer. Parce qu'on a encore un gros match qui arrive juste après. C'est le RB Leipzig, qui est troisième. Donc, il ne faut pas les sous-estimer non plus. Boum. Ok, Pavard va par-dessus, c'est parfait. Bam, on cassage de rein. Ouh, ça a failli recommencer. On a failli refaire la même occasion avec Nicolò Barella. Ouh, attention. Attention, le serial buteur est rentré. Gabriel Jesus qui sort et c'est Robert Lewandowski. Ouh, attention à lui. Robert Lewandowski, c'est un très très gros joueur. Hein. Attention, hein. Il est très très fort. Brooks, la tête de Brooks qui passe pas loin. Oh, on est passé pas loin du 3-0. Le chaos. Oh, ça passe pas loin. Hein. Ouh, ça passe pas loin. Mais attention, on a intérêt maintenant, c'est à être encore plus vigilant parce que là, c'est Robert Lewandowski, là, c'est pas Gabriel Jesus. Je pense qu'à choisir, je pense que le meilleur joueur pour moi, à mon sens, si je me base sur la réalité, pour moi, et même dans FIFA 21, d'ailleurs, j'ai vu ses notes, elles sont énormes, c'est Robert Lewandowski. Hein. Robert Lewandowski, c'est le joueur à avoir. Hein.
Et encore, je trouve qu'on l'a un peu sous-estimé. Enfin, comme tous les joueurs sur 21, parce que j'ai vu les notes. Oh, on a failli marquer. Oh, Bertrand Traoré. Ah non, c'est Moussa Dembélé. Attendez, c'était le 27 qui a fait la tête, non? Ah non, c'est le 28. C'était Moussa Dembélé. Eh ben, bonne rentrée en matière, grosse occasion. Un peu plus, c'est un goal. Eh ben. Ah, je suis remplacé. Ok, on va regarder la fin de match, alors, les amis. Je suis changé. Ok. Et c'est Seferovic qui est rentré à ma place. Il a cherché le point de pénalty. Brooks. Sur ce corner. Ok, il l'écarte. Pour Orban. Barella. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne se prendra pas une remontada. Parce que le Bayern, c'est le club vraiment le plus vicieux. On a intérêt à faire gaffe. C'est un club très très costaud. C'est bien joué ça. Dembélé, Brooks. Non, ça passera pas. Bettencourt. Ouais, j'ai un peu de boire un peu d'eau parce qu'il fait encore une de ces chaleurs aujourd'hui, les amis, je vous raconte même pas. Brooks, Roussillon, Mariano Diaz, Roussillon, ça progresse pas mal, c'est pas mal. Allez les gars, on va le chercher ce titre, c'est maintenant qu'il faut prendre le point. Ouh, Bertrand Traoré, là cette fois c'était bien Bertrand Traoré. Grosse occasion encore. Ah, je crois qu'on peut, on a les capacités de planter un troisième et de tout de suite les mettre KO. Hein. Il y a largement moyen. Exactement, parce que le Bayern n'a pas eu beaucoup d'occasions. Hein. Sauf en première mi-temps que là, ils ont été très très présents. Mais là, on arrive à bien les cadenasser en défense. Et bah, en contre, on est super dangereux. Et voilà, la preuve, on mène 2-0. Et encore, ça aurait pu être, comme l'a si bien dit Pierre Ménès, ça aurait pu être un score beaucoup plus élevé. Ou attention, justement, attention, Nabil Keita, qui est là. Qui fait n'importe quoi, tant mieux pour nous, j'aimerais dire. Dembélé. Regarde, mon Dembélé, il est là. Marlon Diaz, Garoussillon. Voilà, Fache Roussillon, les 1-2, ça fonctionne. Ah, intercepté par Isage. Ndidi, Isage. Ça combine bien côté de Bayern Munich. Attention, ça peut repartir très vite. Attention, attention en bas à gauche. Attention en bas à gauche. Je sais pas ce que fait Nabil Keita, mais c'est n'importe quoi. Tant mieux pour nous. Il aurait dû lâcher plutôt à Pogba. Et sa partie contre-attaque. Rodrigo Bettencourt. Voilà, il a vu Bertrand Traoré. Allez, les gars. Faut aller planter le troisième. Il reste 9 minutes. Faut tenir le coup, mais si on plante le troisième, c'est le chaos. Ah, et personne n'a suivi le mouvement Moussa Dembélé. Dommage. Et c'est reparti pour un tour. Allez, contre-attaque. Ah, le Bayern veut pousser. Ils savent que le titre se joue peut-être aujourd'hui. Hein. Parce qu'ils ont déjà 6 points de retard. S'ils perdent aujourd'hui, c'est 9. Et là, je crois qu'ils peuvent même dire au revoir à une troisième place. Attention à Pogba, Barella, très bien. Allez, on y va. Go, 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 go. Allez, on y va. C'est parti. Contre-attaque. Allez, 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 allez. On monte le ballon. C'est Seferovic. Attention, contre-attaque encore. Pogba, Fraser. Attention, il a de la vitesse. Il a de la vitesse. Et il pousse bien la balle. Attention à Robert Lewandowski qui est dans le centre, qui se prépare à l'intercepter. Et non, bonne défense. Bonne défense de Rodrigo Bettencourt. Et c'est un corner. Ok, encore changement chez nous. Et c'est Jérôme Roussillon qui sort pour Miguel Almirón. Ok. Et ben voilà, je pense que tous les changements ont été faits de notre côté. Et je trouve que c'est intelligent de la part de notre coach parce que comme ça, on est reposé pour affronter le Red Bull Leipzig pour le match d'après. D'ailleurs, ça sera le sujet de l'épisode prochain. Ok, allez, bien, Mariano, allez, on la dégage bien loin, allez, on garde le ballon un maximum, attention de ne pas se prendre des comptes, parce que je ne sais pas combien de temps complémentaire il y aura, il ne faut pas se prendre de comptes, parce que c'est comme ça que le Bayern peut se montrer dangereux, ok, 3 minutes à tenir, allez, accélération de Bertrand Traoré, il faut qu'il continue sur son effort, allez, continue, encore Bertrand, encore, allez, vas-y Bertrand, là, regarde, Bettencourt, Dembélé, finalement, oui, oh oui, goal. Ça peut le faire. Allez. Oh. Bon, de toute façon, c'est fait, les amis. Il reste 30 secondes. Le match est fait. Bon, ben, une belle victoire qui aura été plus que décisive dans ce championnat. Et je crois que même, on peut dire qu'on se dirige vers le titre. Donc voilà, victoire 2-0. Match mené tambour battant. On a bien tenu en défense. Et bah, tout simplement, ici, je vais être assez bien reposé pour le match contre le Red Bull Leipzig. Donc, on se place très, très bien dans la course au titre. Même si on l'était déjà avant ce match. Mais là, on conforte notre avance sur le Bayern, donc c'est nickel. Bon, et eh bien les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas de balancer un maximum de pouces bleus pour m'aider dans ma passion, aider les vidéos à gagner plus en référencement. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, les amis, c'était Fenonfla et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et en ce qui concerne 01 Hero, on se retrouvera contre le Red Bull Leipzig pour la suite de cette saison de 01 Hero qui touche bientôt à sa fin.
Ciao, ciao, les amis, portez-vous bien. Oh, yeah. Le retourné magnifique. Il va y aller. Mais non, un manque de précision sur cette frappe. Oh, il peut centrer. Entrer dans l'axe est dangereux. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus compliqué.